collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO, avec avocat qui est dans le cabinet Advocatus, estimé important pour la conférence de presse, parce que nous avons entendu parler, même là nous sommes vivants sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour nous penser que c'est extrêmement important pour nous faire une conférence de presse, parce que il y a un pile point brûlant, notamment les points qui concernent le fonctionnement de la justice, les tribunaux, les parquets, les prisons, etc. Et nous avons pour nous faire avenir tout sous formation conseil présidentiel. Ça. Et positionne-nous comme avocat sur cette question de conseil présidentiel. La première question qu'on devra se poser, c'est que dit la loi? Que dit la loi sur cette éventuelle formation de conseil présidentiel? Maintenant, est-ce que l'on va aller dans l'article 149 Constitution qui ça dit le gain vacances présidentielles mais les pas un président? Maintenant, est-ce que Constitution amendée en tout lui parler de juge de la Cour de cassation? C'est dit là, première question que vous posez nous, nous sous qui régime constitutionnel? Qui s'en a supposé appliquer? Est-ce que c'est ça qui est amendé à, ou bien ça qui n'est pas amendé à? C'est extrêmement important. Donc, nous-mêmes, au niveau cabinet Advocatus, il est extrêmement important pour nous comprendre que ça qu'a fait là, depuis le pas cadré par rapport à la loi, donc, on pensait que il n'y a pas de problème plus devant, parce que tout ce qui ne respecte pas les prescrits légaux est déjà voué à l'échec. Nous-mêmes, on a dit que le conseil présidentiel ça, est inconstitutionnel. Pour qui ça dit ça? Parce que le moyen comme avocat, mal dans le texte de loi, mal dans la constitution, mal dans qui ça la loi dit, à aucun moment je ne peux pas parler du conseil présidentiel en cas de vacances présidentielles. Nous avons une crise extraordinaire, nous avons une crise aiguë. Maintenant, est-ce que les législateurs là déjà haut et prévoient circonstances? Maintenant, on voit que CARICOM était venu, CARICOM m'a demandé aux partis politiques de voyer des noms. Donc, tout le monde est content, on voit des noms. Mais pour qui pour le qui peut le poser plus devant, c'est la constitutionnalité de ce conseil présidentiel et de la juridicité. Est-ce que au regard de la constitution, la bien place li? Comment yo pral rele acte que moun sa pral pose? Moun sa passible par devant quel tribunal? C'est ensemble problème ça qui pral pose. Bon pral par exemple, très clair. Les juges de la Cour de cassation, ça qui bien nommé yo, ils ont été nommés par le président de la République, il était là. OK? Yo te prêté serment. Kounya, est-ce que moun sa yo yo pral prêter serment? Est-ce que moun sa yo et comme si moun qui pas nommé conformément à la loi pral en mesure qu'a prêter serment par devant moun qui nommé conformément à la loi? Par contre, si nous tout un bouglio ça pral poser. Maintenant deux conseil présidentiel ça, est-ce que li pa vinn un coût économique pour pays a? Est-ce que li pa affecter dépenses l'état? Est-ce que le pouvoir a un impact sur dépenses d'État, sur caisse d'État? Pour qui ça? Alors, c'est position nous comme avocat. Pour qui ça, dans le conseil, ça, il n'y a pas un choix final? C'est-à-dire, 5 personnes, 6 personnes, ça, vous mettez ensemble, vous dites, bon, nous avons résigné, nous avons désigné un seul monde. C'est-à-dire, son effort est titanesque lié. Mais il faut le faire pour le bien du pays. Parce que dans ce moment-là, un conseil présidentiel avec 5, 6 ou 7 moun plus 2 observateurs, ça fait beaucoup. 5 chaises ou 6 chaises, etc. 6 voitures, 6 cortèges, ils sont ensemble de dépenses qui sont inutiles. Mais ce n'est pas ça qui intéresse la Kounia. Ça qui intéresse la, c'est quelle solution apporter immédiatement à cette crise qui ronge le pays, qui ronge la société. Et je voulais faire connaître, messieurs, dames, les journalistes, messieurs, dames, crise dans son crise, nous supposons considérer dans toute dimension. Dans le moment de parler, nous avons pu se passer 2 millions de monde qui ont un grand goût. 2 millions de monde qui ont un grand goût.
Ça veut dire qu'il y a 2 millions de monde dans ce moment-là qui vivent à moins de dollars par jour, avec moins de dollars par jour. Ça veut dire que nous avons une situation côté famine dans aiguë, famine dans en pile. Ça veut dire que jeunes nous pour laisser pour compte et phénomène gangsterisation ça résout li pas pour aujourd'hui. Et faut comprendre que par rapport avec prolifération gang ça cap occupé pays, situation vient plus compliquée. Bon m'expliquer nous, bon font une description pour nous. L'école pas ouverte. Banque fermée. Aéroport fermé. L'hôpital fermé. Tribunal fermé. Institution publique ou privée fermée. Toute entreprise privée fermée. Grand pile moun k'ap perdu travail yo. Et c'est pour comprendre dans qui crise que ni là. C'est dit moi désolé et moi regrette que me constater dans tout débat k'ap fait yo, c'est des débats éminemment politiques mais pas des débats qui touchent qui considèrent effectivement la gravité de cette crise. Nous même comme avocats, nous obligés de faire conférence de presse parce que il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on me cap dit matin là, Unibank a une possibilité pour pas ouvrir porte dans toute région métropolitaine pendant un certain temps. C'est-à-dire la difficile pour mon accès à l'argent parce que banque yo même, yo obligé protéger tête yo. Et l'hôpital fermé. C'est dit son monde victime là, son monde malade, ça arrive que le mourir la caille parce que crise aiguë. Situation hyper compliquée. Et nous même dans niveau cadre cap défendre droit monde. Nous constatons que c'est une plus grosse violation de la monde qui a fait là par rapport à la crise ça, par rapport à la crise qui a rongé le pays. C'est dit, peuple haïtien pas capable de quoi. C'est dit, moi-même, moi obligé de venir comme avocat pour me lancer SOS ça, pour me lancer alerte ça, pour me lancer cri ça. Parce que le peuple n'en peut plus. Les gens, les pauvres, les laissés pour compte, les malheureux, ceux qui sont faibles, c'est dit, ça n'a pas de moyens, ça n'a pas de travail. Ou imaginez un monde qui t'a cherché la vie, qui n'a pas touché bien. Maintenant, venir ils vont côté que le tribunal fermé, l'hôpital fermé, le bureau fermé. Nous, même dans le niveau cadeau, mettons en Rémi à essayer de lancer un message, ça ou bien parler à un monde qui concerne nous. Monsieur, nous avons gardé là, il faut comprendre que le pays a disparaître d'un moment à l'autre. Il faut comprendre que pour avoir plus de misère, messieurs, dames. Faut comprendre que grand goût, il plus, pas plus frustré, pas plus raillissement. Parce que moun ki bon kote la pa ka manger après le rayou le doit manger. Situation difficile. Et je dis à la, nous prenons la presse pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire international, pour nous dire moun ka décider pour nous, le peuple haïtien souffre. Le peuple souffre énormément. Nous même comme défenseurs de moun, nous n'avons pas de pouvoir pour nous faire tout le bagaille, mais nous avons une voix nous, pour nous dénoncer, pour nous crier, pour nous lancer SOS. Pour nous dire ce qui a passé là, nous ne pouvons pas vivre encore. Et permettez-moi rapidement de passer dans le deuxième point pour me dire que nous avons une connexion entre la crise et ce qui a passé dans la justice. Là. Bon, je ne peux pas embrasser tout le bagaille, mais la question politique qui vient là, désaccord politique, gang cap prend pays, tout côté fermé, Badel m'a fermé, gallon gaz qui est à $300, sac d'huile qui est à coûter $1,500, gallon l'huile qui est à coûter $600. Tu as dit, faut comprendre que si pas gang fait, pas de famine, pas de grand goût, pas de misère, pas de. Bon, tu as un chômage déjà, tu as un chômage, tu ne peux pas prendre soin. Tu as dit, tu as trois violations de monde dans le moment. Doit peuple à violer, doit malheureux violer, doit monde violer. C'est-à-dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous garder. Et ça fait mal pour m'a constater que dans la négociation, il n'y a pas de représentant de monde qui l'a. Pour faire valoir que son droit à la santé, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la nourriture, droit à un logement décent, en pile, nous avons quitté Kayo. En pile, nous avons volé le domaine dans la rue. Il n'y a pas attaqué monde. Droit à la sécurité, pas de sang encore. C'est-à-dire vous sentez que l'État ou bien moun ki nan tèt l'État avoue que yo pa fè anyen, yo pa dirije anyen. Peut-être que ça n'a pas tant là, ça nous en face li là,
li dépasser nous comme autorité. Puisque nous avons dans Caraïbes là, nous pas un pays isolé. Et ça que fait nous dit, faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide pour porter soutien ensemble avec nous parce que nous pas capable. La police a fait effort c'est vrai mais la police pas capable contre lui. Dans ce sens, moi exhorter que une mesure, une décision prend à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel pas le vini. Mais conseil présidentiel pas qu'à diriger contre lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui n'est pas basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui n'est pas gain essence li dans le loi pays. Par contre, qu'un côté, conseil présidentiel ça, il n'est pas gain base li dans la constitution. Moi-même, comme avocat, je suis obligé de veiller à cela. Et rapidement, je m'a dit ça. Justice a affecté, dès qu'après économie, dès qu'après santé, même ça avocat m'y. On prend justice, on passe dans le deuxième point. Justice a affecté pour qui ça a mis en ligne. M'a expliqué nous. Cadeau, depuis l'évasion en fait là, c'est une organisation qui toujours qu'un des populations update par rapport à ce qui a passé dans les prisons. Et nous, c'est la première organisation qui t'a parlé de qui sont chiffres sous quantité de prisonniers qui sauvés. Et j'en ai toujours dit, ma fonti, il rappelle, dans la pénitentiaire nationale, c'est une plus grosse évasion faite dans ce siècle-là. Pour 10 dernières années, c'est une plus grosse évasion faite. 3696 prisonniers dans l'espace, 3597 sauvés. Ça veut dire 50% dans le monde, c'est des bandits notoires. Ça veut dire évasion ça, évasion massive ça peut avoir un impact criminogène sous société. Ça veut dire qu'il y a des bandits qui peuvent retourner en activité, qu'il y a des bandits qui peuvent prêter les bras quasi. Faut nous attendre à cela. C'est des cadeaux, bien temps anticipé pour dire mais qui veulent qui peuvent le vide. Maintenant deux, prison quasi. Maintenant garde à vue commissariat et dans le moment où on a parlé là, grand pile avocat cadeau qui a fait intervention dans le commissariat, il a constaté ça il y a un sur-encombrement. Ça veut dire qu'il y a plus de monde que prévu dans le commissariat. Dans le DCPJ, il y a 40 monde qui l'a pile sous pile. Mon a pile les monde. Dans Pétionville, dans Tabar, dans l'autre côté. Quoi de bouquet, pas capable de bouquet parce que policiers ont quitté le commissariat Croix des Bouquets. C'est-à-dire, nous vivons une situation inexplicable. Nous vivons une crise qui est indescriptible. Au niveau de la justice, c'est pire. C'est-à-dire, nous-mêmes comme avocats, qui a défendu le monde, nous-mêmes comme avocats qui maîtrisons ça que les justices dans le pays, dans toute intervention de la radio, nous proposons des solutions. Le commissaire gouvernement a touché là. Le substitut a touché. Maintenant, pour qui ça? Commissaire gouvernement pas prendre la rue pour commencer à aller dans le commissariat implanter parquet dans le commissariat déléguer des pouvoirs que le commissaire gouvernement chef a délégué pouvoir leur substitution pour commencer à tendre monde dans parquet parce que monde pas capable quoi détention préventive prolongée à prendre son autre forme dans garde à vue et un pour exemple on pensait que nouvelle équipe qui va venir là même leur son équipe qui est inconstitutionnelle faut yo venir avec politique ça, politique de modernisation justice ça. 3597 nous sauvés. C'est-à-dire, si justice était moderne, si il était une digitalisation, une numérisation, une informatisation, si je prends le terme, nous avons gagné un dossier 3597 nous sauvés. Ils ont sauvé leur bon côté, leur bon dossier. Et toute bagarre était faite de manière manuscrite. Tout bagaille était fait de manière écrite. C'est non greffe, on a un petit papier, il y a un bon document. Tandis que deux mouns là, ils ne peuvent jamais faire un dossier. Il y a deux criminels là, ils ne peuvent jamais faire un dossier. Pour qui ça? Parce que nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas pu avoir le sens de l'innovation. À savoir, justice là, moderniser, mettre infrastructure, mettre matériel sophistiqué pour permettre que l'on incendie. Long earthquake, bon, ça va être les tremblements de terre arrivés. Maintenant, bon, on attaque comme ça avec son prison pour ne pas inquiéter, pour nous dire dossier prisonnier perdu. Pour avoir des gros problèmes
nan justis la, pral gen gro, gro, gro problem. Nou enkye kom organizasyon dwa moun. Nou enkye, nou preokupe. Paske peyi sa pou ta repati, a pati de kriz sa la ou la, peyi sa ta supose pran 5-10 an pou repati. 5-10 an pou repati. Paske nou atake trop institisyon republiken atake, pou nou ta di li pou el fasil pou repren aktivite peyi sa, surtout justis sa. Prison, pa gen prison. Deux pi gran sant kanseran li yo vide la. Kwa de bouke? Gen 1033. Kwa de bouke te gen 1033 prizonye. 225 pare devan juj. Tout sauvé. Jacques Mel, te gon tentative evasion kal fèt. 3 prizonye mouri. Actuellement la nan Mirbalè. Gon kriz egu. Gen moun nan pa ka manje. Nou koman yon sentil nan prizon? Nou pral sentil de yo a. Jérémy gen deux prisonniers mouri parce que grand goût. Et m'a salué fort commissaire gouvernement Tigouave la Medeliot qui après SOS que nous avons lancé, t'est venu river en possibilité de manger pour prisonniers Tigouave. N'a salué. Mais m'a demandé toute organisation dans monde quand dans pays là. C'est pas avec des téléphone, faire des notes de presse aussi. Faut parler, faut impliquer parce que société a compté sur nous. Malheureux compté sur nous. C'est nous pour aider yo, c'est nous voir yo. C'est nous qui étant dans yo, c'est nous main yo, c'est nous porte-parole yo. C'est nous pour défendre yo, même je cadeau à faire là. Situation compliquée et moi mandé aide toute organisation pour nous sauver pays ça. C'est parler pour nous parler dit politique yo, yo pas qu'à faire politique seulement, mais penser à droit moun yo tout. Penser à droit la vie yo, penser à droit la sécurité, droit la nourriture, permettre que population aller souffre, moun yo a souffri. Donc je dis là me penser que l'idée extrêmement important pour que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous faire aller ça. Parce que nous avons une situation compliquée. Que l'on est sous justice, que l'on est sous humanité. Nous avons de Dominique Dupuis, nous féliciter, nous saluer. Elle a eu un discours éloquent, intéressant, un discours poignant, nous féliciter. Elle a décrit la crise haïtienne. Mais nous-mêmes, dans le niveau cadeau, si seulement te ka aide pou pèk tout ba rezou nou ta fèl mais seul voix nous gagne et nous dit moun ki pral dirije ou moun ki aple pou vin dirije peyi sa conseil présidentiel de facto ça parce que pour moi li pa aucune base légale faut commencer par considérer revendication masse là revendication peuple là revendication malheureux et là au moins n'a éviter que peyi sa disparaît n'a éviter que li fondé.